Bonjour Morgane. Bonjour. Merci pour le temps de cette interview. La première question que j'ai envie de te poser, avant cette formation à BPAPT, que faisais-tu? Alors, avant d'attaquer ma formation, j'ai fait un parcours scolaire basique. J'ai passé mon bac, c'était un bac STG. Et à la suite de ça, j'ai voulu rentrer dans une école et il s'avère que ce dans quoi je m'étais orientée, ça ne me plaisait pas forcément. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler. Et j'ai travaillé dans plein de milieux différents, dans une industrie pharmaceutique et dernièrement, j'étais factrice. Pourquoi avoir choisi cette formation? Alors, j'ai choisi cette formation parce que c'est une formation qui est courte, parce qu'elle se passe en un an. L'école était pas loin de chez moi. Et cette formation, elle permet vraiment d'être sur le terrain et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on est directement confronté à du public, plusieurs publics, des écoles, des personnes adultes, des handicapés. Donc ça nous donne vraiment l'occasion de se plonger directement dans le métier. Peux-tu décrire en quelques mots ce que sera ton futur métier? Alors l'APT, c'est le brevet d'état d'activité physique pour tous et il ouvre de larges prérogatives, du coup c'est ça qui est super intéressant parce qu'on peut partir dans l'éducation au niveau des écoles, intervenir pour faire des cours de sport à la demande des professeurs, comme on peut travailler dans les mairies. Et moi je l'ai plus choisi parce que je voudrais partir sur un métier plutôt en extérieur et travailler dans des structures touristiques, donc animer des randonnées, des petites sorties à titre d'initiation, bien sûr, en VTT, éventuellement l'escalade, le kayak, et peut-être même être indépendante en tant que coach personnel. Quelle est ton activité préférée? Alors, j'en ai quand même plusieurs. J'aime beaucoup de choses, mais vraiment quand c'est des sports qu'on peut pratiquer dehors, en extérieur, et pouvoir profiter des paysages, surtout que dans la région où je suis, il y en a quand même des très beaux. Ben, c'est vraiment ce que je préfère, les randonnées, l'escalade, le kayak ou juste de la marche quand on découvre tout ce qu'il y a autour et qu'on peut le lier à notre activité sportive, c'est vraiment le top. Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui souhaitent suivre la même voie que toi? Alors si j'avais un bon conseil à donner, ce serait vraiment d'être très curieux. On rencontre beaucoup de professionnels durant la formation et être curieux, leur poser des questions, chercher à avoir des réponses qu'on ne nous donne pas forcément en cours, c'est vraiment important. Parce qu'ils ont plein de choses à nous emmener, à nous proposer, à partager. Et ben voilà, à partager. Que, du coup, c'est vraiment important parce que ça va vraiment élargir notre panel de compétences. Et voilà. C'est top. Et c'est top. Écoute. Tout bâclé. Merci. Merci Morgane pour cet échange. Je te souhaite plein de belles rencontres. Et puis pour ton examen, une belle réussite. Merci. À très bientôt.